La boccia, c'est un sport paralympique qui est paralympique depuis 1984 et qui a été créé vraiment pour les personnes ayant un lourd handicap, ce qu'on appelle nous. Donc des personnes atteintes d'une myopathie, d'une grande tétraplégie. Donc ça vient vraiment du monde du handicap qui a voulu créer un sport, une activité pour ces personnes-là. Le principe du jeu, ça s'apparente vraiment à la pétanque, sport boule, etc. Il y a un jack, il y a des balles. Et le principe est de se rapprocher du jack, tout simplement. Le terrain, par contre, c'est vraiment pas comme dans un boulodrome, etc. Ça se joue à l'intérieur, à un terrain de 6 mètres de large, 10 mètres de long. Le principe du jeu, les fondamentaux, c'est comme un sport boule, un sport pétanque. On a créé ça à la commission, ce circuit de compétition, c'est assez nouveau, depuis un an tout juste, ça marche plutôt bien, en complément des championnats de France. Et c'est vrai que sur les Open nationaux, on se permet de, si des étrangers veulent venir, bah pourquoi pas. Sur un championnat de France, non, et sur les Open, oui. Et là, c'est vrai qu'on a eu 4 Anglais et 2 Ukrainiens qui ont voulu participer, donc on a dit oui. Surtout que c'est un test activity, c'est ça qui leur plaisait aussi. Et là, les joueurs du collectif France sont tous présents, les 11, et ils sont dans une période de sélection pour les Jeux, pour les épreuves par équipe. Donc c'est très important pour le collectif France d'être présent et de regarder leurs performances en vue des sélections par équipe qui vont être dans le printemps.